La sonde spatiale Voyageur 2 est partie pour Jupiter. À son bord, une déclaration de Jimmy Carter, un poème de Baudelaire et un concerto de Bach. Des inondations dans le centre, de la neige en montagne, un des étés les moins ensoleillés depuis 60 ans. Groucho Marx est mort hier soir, le plus connu des Marx Brothers, avec 86 ans. Bonsoir. Il y a un peu plus de 4 heures maintenant a commencé une nouvelle aventure des temps modernes. Le lancement d'un satellite, certes, n'étonne plus guère, et pourtant, c'est un très long voyage de plusieurs années qu'a entamé la sonde américaine Voyageur 2. Objectif, les planètes lointaines, Jupiter, Saturne et Uranus. Et puis, qui sait, n'y a-t-il pas sur le parcours une autre forme de vie? L'une de ces planètes n'est-elle pas habitée? Le vieux rêve de l'homme prend forme aujourd'hui. Il va essayer d'entrer en contact avec ces éventuels extraterrestres. Voyageur 2 transporte ainsi des messages humains, celui du président Carter, celui de Kurt Waldheim, de la musique, des poèmes, du Baudelaire notamment, et puis des films qui donnent un aperçu de ce qu'est la vie sur notre Terre. Jupiter, c'est la planète géante du système solaire, 300 fois la Terre. Son atmosphère est formée de gaz mortels à respirer, méthane, ammoniac, acide cyanhydrique. Jupiter a 14 satellites, 14 lunes qui transforment ses nuits en spectacles féeriques. Jupiter a aussi une mystérieuse tache rouge, une composition chimique du toit et une nation rapide, un tour toutes les deux. En 1913 et ensuite 14, deux petits explorateurs nous ont raconté ce qu'ils avaient trouvé sur cette planète. Puis le Nier 11, nous ont par exemple pris, Jupiter semblait être une étoile assez grosse pour pouvoir s'allumer. Les messages mettaient 45 minutes à venir sur Terre, captés par une antenne géante. Ce devait être une réponse, un ordre bien fort 3 quarts d'heure en spécial, tellement Jupiter de nuit. Le voyage d'ailleurs de pionniers de la Terre et Jupiter a duré un an et demi. Aujourd'hui, c'est le tour des voyageurs de s'élancer à la quête des planètes lointaines. Voyageurs beaucoup plus que ne le sont les pionniers. Un type caméra nous transmettront un spectre connu à ce jour tout au long de l'âge. Dans la Terre maintenant, dans les voyageurs, car il y en a deux jours des cas. Ils traceront moins d'un an sur des astéroïdes. Ces petits vues de planètes sortent de gros rejets tournant autour du Soleil. Cette traversée est dangereuse, mais les pionniers ont réussi à rester longtemps. La première est donc Jupiter. Par exemple, un lever de soleil est le couloir au sol d'un des satellites géants. Le soleil est le plus lumineux. Il est minuscule, fait très froid là-bas, près d'un milliard de kilomètres de chez. C'est toujours une autre étoile se distingue tout autour. Puis, voyageur dans la banlieue de Saturne, la deuxième de notre système solaire, sans la masse de l'air, Saturne et ses alphabets. Les voyageurs tenteront de passer entre la planète et Saturne pour savoir si, comme le Mars, de petits rochers gravitent autour de la planète qui font l'anneau. Cette mission est dangereuse, là aussi le choc mortel cible. Puis les voyageurs vont aux satellites de Saturne. Il y a surtout de titans qui croient l'atmosphère comme celle de la Terre. La fin du voyage va dépasser lentement. Nous quittons Saturne en 1986. Les voyageurs ont supporté des épreuves. L'un d'entre eux tentera de rejoindre Uranus et l'autre peut-être Neptune. Après, si un après, c'est aussi clair que les voyageurs laissent les rêves. Mais nous sommes loin encore de nous. Une des d'ailleurs nous apprend à l'instant de qu'il y a apparemment quelques problèmes techniques à bord de la sonde américaine, mais on ne peut pas dire si cela perturbera ou non l'âge de Voyager 2. Une édition de 2 milliards d'offrants à NASA en fera d'autres pour le champ d'obscence sur le monde qui nous enrime, mais l'inverse. Quel y peut faire d'éventuels extraterrestres de notre Terre? Savent-ils par exemple ce qu'est l'été européen? C'est frôlé la Terre à un intervalle de 76. C'était gagné. Et puis cette année, c'est l'été que vous connaissez, la sécheresse. C'était l'un des étés les plus maussades du siècle, disent tous les théoriens. C'est ensoleillé depuis 60 ans. D'ailleurs, ne s'était pas trop annonçant un week-end pluvieux. Ces régions du centre de la France, comme les sauvages, connaissent à leur tour une nation, le Cher, l'Indre, sans plus. Il fallut d'ailleurs évacuer plusieurs terres campings et le temps général en de lourd à l'Atlantique, il s'accompagne de températures peu élevées. En principe, ça change à partir de mardi. Mais observez quand même vos parades, pleuvra sur la moitié du pays, en jeu sur l'autre moitié, quand même, il éclaire. Kepler, des problèmes qui se fait divers. Les enquêteurs se demandent aujourd'hui si l'ancien SS n'a pas été, dans cette passion et dans son évasion, véritable camp et une question. Les carabiniers qui le ont été drogués, il est possible que Kepler ait bénéficié de complicité à l'intérieur de l'hôpital où il était. Voilà qui pourrait confirmer les craintes, en tout cas, de l'ancien chancelier vibrant. Dans l'être adressé il y a 10 jours au chancelier Schmitt, M. Brandt dénonce la montée des mouvements néo-nazis. Schmitt a d'ailleurs ordonné qu'une enquête soit ouverte.
D'après le coup, il n'est plus question aujourd'hui de fatigue, qui revêt donc une forme nazie, mais de milliers de soldats du Reich qui tiennent des rassemblements, généralement sans être agréés. Le phénomène néo-nazi est-il demain en train de ressurgir en Allemagne? Sur ce qui est sûr, c'est que l'horreur de cet outre-Rhin, en France, comme le témoigne la couverture que vous verrez la semaine prochaine, en Allemagne, un opéra rock lui est consacré sous le titre de R Superstar. Il est par ailleurs le héros d'un film, qui fait actuellement 100 000 entrées par recette et qui est un historien. Depuis trois semaines sur les écrans cinéma allemande, Schlitz du passé il vient de l'Allemagne. Un film de 2h30 offre allemand l'approche et chez du dictateur nazi. Personnalité de Hitler recherchée dans le monstre Imra et le Führer. Le film tente d'expliquer la fascination des Allemands pour Hitler, il sait déjouer les ressorts secrets des idées collectives de jadis. Dans la réaction de cette spectatrice, elle les estime, il est impensable les Allemands vivent une nouvelle fois le fantôme Hitler. Ce film révèle une nostalgie coupable qui l'attire des répulsions ou permet d'y prendre et conjurer la fascination de Hitler. Le ministre d'armement de Hitler mérite d'être rendu à ce sujet. Hitler est toujours le Kassov de notre temps pour l'Allemagne et pour les Juifs et pour ceux qui étaient tués par lui et peut-être. Et les traits qui sont un peu dans son objectif ne pas tuer. Total a évité à s'occuper avec le problème. Dans l'école, on a bien pris de la période. Et son moment en Allemagne, c'est même était déjà fait en quelques années. Avec ce film, Rodi Salon-Serin, crime du nazi ont rappelé mémoire. Des critiques se demandent cependant si la dénonciation de nazi prendra le pas, page d'objectif de Hitler, sur les joues. Pas journaliste, pour Joachim Fest, le film ce risque n'existe pas. Les journalistes eux-mêmes fascinés par l'immense nazi a dû aux jeunes propres sentiments. Il a surtout rencontré des jeunes qui ont trouvé repoussant le théâtre mise en scène politique d'une qui au demeurant heureux de vivre où cela n'existe plus. Cette fille néanmoins que Hitler est un peu divinisé dans ce film, ce qu'a fait Susamri. Pour son compte, Hitler n'aurait plus aucune chance en Allemagne, un pays ouvert sur le passé et où les gens sont mieux informés que dans le C. Prédé de jugements exclusivement mâles, les Allemands regardent leur passé avec garde politique. Le nazi repenti Albert Herr était ses réserves. Les photos du film sont notamment de Hitler toutes faites propagande et on ne peut montrer quelque chose en Hitler. Je pense que c'est ridicule, on ne peut pas imaginer que ça aurait été fait. Mais si votre de ce film voudrait montrer la discussion entre Hitler et Hitler, avec la question des Juifs, ce sera balance, vous savez, ça n'a pas. Frappé le résultat d'une récente enquête allemande de Spiegel qui concluait qu'apparemment la jeunesse allemande n'est pas cible au mythe d'Hitler et que donc elle doit être touchée par une éventuelle retour au nazisme. Monsieur de Guingourur, hier soir, en voyage en Afrique, le ministre français considère l'incident d'Orino. Apparemment, il ne doit pas être porteur de pancartes d'Aralam. On essaie de minimiser son voyage. Il comportait 4 attaques. La dernière n'a pas pu se dérouler dans les conditions qui étaient prévues. Mais les 3 autres se sont déroulées de manière plus satisfaisante. Au total, le résultat du voyage et au moment positif, j'estime qu'à Nairobi, à Dakar, à Kuto, j'ai pu expliquer l'éthique de la France, dissiper des malentendus et tuer définitivement quelques légendes malsaines. J'ai également l'occasion de rencontrer des dirigeants du Front Patriotique de Libération du Zimbabwe, ce qui est l'ancienne colonie britannique de Rhodesie, et notamment le chef de la plus grande tendance de Front de Libération, M. Mugabe, avec lequel j'ai eu un long entretien à Maputo avant-hier. Ce voyage, qui comportait évidemment des risques, valait la peine d'être fait et je me réjouis de la manière dont il s'est déroulé. Merci donc de Tony, c'est pour M. de Guéringo. Apparemment, c'est un hiérarchie qui renverse les rôles, qui considère lui que c'est un de faire excuse les livraisons d'armes qui le sud. Alors, Ralph Pinto, vous étiez spécialiste de France Inter au cours de voyage. Peut-on dire que M. de Guéringo a eu plus de succès dans les autres capitales africaines? Oui, on lui a au moins laissé expliquer quelle est la position de la France et de France en Afrique australe, essentiellement, vis de la Rhodesie rebelle, a dit M. Guéringo, il y a l'instant l'Afrique du Sud. M. de Guéringo était par là-bas pour justifier la position de la France? Pour écouter et expliquer ce qu'ont dire les gens africains qui tractent de Grande-Messe en Rhodésie et expliquer l'axe de la France pour probablement en faveur au mouvement nationaliste qui se barre au régime blanc minoritaire de Grande-Messe. Et convaincre les chefs d'État, les leaders des pays du front? Je crois qu'il y a une phrase d'attrice, on lui a dit à Louzaville de Zambie, on lui a dit il faut que les idées généreuses que vous exprimez soient confirmées. Les faits pour les Zambiens par exemple,
les nouveaux indépendants que sont les Mozambicains, les faits, ce sont Total en Rhodésie, le rien à voir avec Total France et pour même nous, ce sont livraisons des femmes centrées trop nucléaires à Sud, et ce sont entre guillemets, les livraisons d'hommes seraient secrètement multiplées. C'est pourquoi tout à l'heure, je dois parler de Dixon qu'il avait tapé là-bas. C'est-à-dire qu'elle devrait peut-être faire un geste supplémentaire là pour que ces pays-là soient convaincus. Donc le temps fort, en tout cas le temps négatif qui sont les plus mutants à Clément Costra, le temps négatif a été dans Louis Guiringo que les livraisons au mouvement national, il ne fallait pas penser. La France à la politique vivante, on livra qu'au gouvernement constitué en place. On se contentera des livraisons humanitaires, des livraisons de voitures, de médicaments à ce moment-là, on n'ira pas au-delà. Alors, c'est ainsi, on a quand même presque chute de guerre, a été véritablement surpris de ce qui se passe. Il a été d'autant plus surpris qu'on s'est appelé une heure et demie ou deux heures après arriver sur place à Reslam que l'amiral gouvernement tanzanien est un grand prince. On a préparé l'incident de son peu à la fin, quand nous avons eu vers 8h moins le quart local, qu'on retenait le lendemain matin. On s'est appelé pour que le journal soit composé. Et à 10h, nous avions le journal du lendemain. C'est bon, avant l'arrivée même de... Oui, enfin, on a manifestement laissé la première page en blanc pour la composer ensuite. Enfin, je termine un long édical. Voyage, le ministre en français dans le texte. C'est l'un du gouvernement tanzanien pour lequel j'en ai... Le gouvernement tanzanien a un président qui est considéré en Afrique, ministre des Affaires étrangères d'Afrique tout entière. Je lui dirais, venez d'entrer dans le voyage. Donc, il était passé au Canada aux États-Unis, jamais. Il avait, semble-t-il, pris par le charme Carter. Il avait convaincu, semble-t-il, le président Carter de reconnaître que le Front patriotique. Et peut-être qu'à la visite de son opinion publique, il n'apparaisse pas comme l'homme qui vous occidentaux dans toute la mesure du possible. Qu'on digne match pas, mouton noir, le mauvais du trou, en l'occurrence la France qui secrètement travaille avec l'Afrique du Sud et la Rhodésie. C'est un peu. En tout cas, M. de Guiringo devra lundi pour expliquer au président de la République les résultats de son voyage, Giscard d'Estaing, Paris, voire pour Chanona, près de Clermont-Franc, passer le week-end en famille. L'un des prix pour Gilles serait finalement plus élevé, près 0,8 ou 0,9% selon notre confrère Le Monde, estimation bien sûr qui n'est pas confirmée pour l'instant, qu'on a parlé pourtant de 5 ans. Réponse de Roi François Mitterrand qui proche ce soir aux communistes de se comporter comme des adversaires. Le premier secrétaire du Parti socialiste a pour la première fois dit sur Roi que le débat engagé sur les assurances pour un commun est très sérieux, que les divergences touchent à des sujets essentiels. Je vous rappelle que François Mitterrand ne juge pas une négociation avant mes buts pour le 15 septembre, ce que M. Finder confirmait aujourd'hui, c'est une réaction de surprise du leader du Parti communiste, Mandelman, qui rappelle que lors des négociations, il était question, on avait pris avant ce fameux sommet. Au milieu de l'après-midi, Pékin trouvait de fait des grands jours, du cortège défile actuellement par des tambours et des cymbales. On marque la fin du 11e Parti communiste qui utilise de Wang Guofeng, sa présidente, du maréchal Yi Xianyang, vice-président, et de Deng Xiaoping, l'un des vice-premiers. Pour le reste, disait Bernard, ici même, hier soir, c'est-à-dire la révolution culturelle et d'intérêt, qui a duré 11 ans. Et puis, c'est le début d'une nouvelle période, qui sera un véritable nouveau bon avant de l'économie chinoise. L'Union soviétique à Sali aurait rompu la semaine aujourd'hui. Pas de confirmation qui nous vient du Caire. Et puis, le président Kité pourrait rencontrer une délégation de l'OLP, les représentants palestiniens. Cela pourrait passer de l'Assemblée générale des Nations Unies. En mission, c'est que les Palestiniens acceptent de signature la fin de la révolution de 42 des Nations Unies. Elvis Presley, Roger Nicolas, Groucho Marx, la loi des séries, Groucho Marx est le cerveau des Marx Brothers. Il est mort tard à Los Angeles, déçu d'une pneumonie, il avait 36 ans. Just Marx, alias Groucho, troisième des cinq fils de Samuel Marx, quitteur juif de Strasbourg, émigré à New York. Mon père est un si mauvais, disait Groucho, qu'on pouvait connaître ses clients dans la rue au défaut de Cosme. Avant de créer, avec Chico et Pau, les Inenables Bros, Groucho tenta sa chance et se retrouva très vite pour le Colorado. C'est en 1914, au cours d'une répétition, naîtra le quatuor dont l'humour, la fantaisie iront jusqu'au surréalisme. Au gag visuel, Groucho le cerveau ajoute une sorte de truffé de calembours traduisible. Les 13 films Marx Brothers, parmi les Noix Coco, Monet de Saint, La Soirée, Une Nuit à Péra, font désormais partie de la grande anthologie du cinéma comique. En 1972, le Festival de Cannes rendait hommage à Groucho. Il lui donna cette occasion une conférence de presse, chacun persistant dans un centre de son langage. Vous les invitez, disait Groucho, parce que vous peur que l'année prochaine je ne sois pas en vie. Après avoir animé seul pendant 10 ans une mission de télévision américaine, Groucho s'est retiré dans ce sujet de Beverly Hills, où il vit à Pierre Fleming, une compagne de 4 ans dont on a pu dire qu'elle avait en zone la fin de sa vie. Et son petit Andrew qui gérera sa fortune et 7 ans de juridique. 5 frères, seuls Zéro est aujourd'hui vivant, mais les marques n'ont un capital qui ne se dévalue pas. Aux fans des Marx Brothers, ils pourront voir la plupart de l'homme cette semaine au cinéma Stegut qui consacre un véritable festival. Plutôt a fait encore des heureux.
433 millions de stimes agir en 4 personnes qui avaient lutté ensemble, mais qui, pour l'instant, perdent anonymat. Rocheteau pour mercredi contre en motif année fracturée hier soir de match Saint-Etienne-Nice. Une fin à tout. Celle-ci est avant de se faire battre par les Niçois, bien les Stéphanois avec les MC exécutifs à Geoffroy. Vous avez bien pour les Stéphanois qui jouent à gauche dans le couloir actuel, puisqu'ils allaient bénéficier dès la 3 minutes de jeu d'un coup franc à la suite d'une faute sur Samani. Ce même s'y renforce et Barthélémy, qui fait ses débuts match officiel, reprend et marque. 1-0 donc pour les Stéphanois, malgré une occasion de but, prendront leur avantage durant cette première. Donné dans les 45 minutes, les Niçois vont rendre ascendant sur deux tiennes dès le début de la seconde mi-temps. Et à la 32e minute, Yuslav Djovic égalise en reprenant de voler un centre. Enfin, à 1-0 de la fin du match, sur un compte en 1600 et une marque but de Vitoise dans un an pourtant fermé. Je crois que nous avons eu patience en première mi-temps. Nous avons débuté par un but assez satisfaisant. L'équipe a mal pendant une quinzaine, vingtaine de minutes. Ensuite, on est tombé dans le basket, on a gardé un peu trop le ballon. Et je crois que dans le premier temps, c'est passé ce champ. Parce qu'en deuxième mi-temps, Nice a besoin de football avec des techniques et aussi des accélérations de certains centres. Tant d'avoir marqué le but dès la première.